Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler de la mesure de l'aura et des chakras. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer, je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo car cela me fait toujours chaud au cœur. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles, soit un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour m'appeler. Vous trouverez également un lien de Sophia Voyance, tarologue, cartomancienne, hors pair, et un lien des films Jupiter, des films sur la nature, l'ésotérisme, et en tapant le code Colorado65, vous obtiendrez une remise de 10%. Actuellement, peu de thérapeutes ont des appareils pour mesurer précisément l'aura ou les chakras, ce qui est important pour notre vie énergétique, émotionnelle ou psychologique. Voici l'aura d'un de mes clients. Et ici, vous trouvez le chakra de l'un de mes clients. Je propose en fait des lectures d'aura ou de chakra, donc au chemin Arthur Honegger 1, 1803 Mézières, et cela se fait sur rendez-vous. Tout d'abord, à quoi ça sert de faire une lecture d'aura ou de chakra? Les textes d'interprétation des auras sont à considérer comme ceux d'un interprète qui aurait traduit le langage de l'âme. Ils s'adressent à notre mental et à notre âme. Ils le font souvent sans respecter aucune forme de politesse et sans mâcher leurs mots. Et nous avons choisi ce type d'écriture, c'est parce que notre âme ignore tout de notre morale. Elle demande qu'on lui parle de manière très personnelle, soit authentique et ferme. De son côté, l'âme doit communiquer par-delà des processus de pensée compliqués et ne dispose souvent que d'une possibilité pour se faire entendre, les symptômes. Dans le fond, chaque symptôme qui se manifeste dans notre corps est une sorte de signal de notre âme. C'est ainsi qu'elle exprime et nous alerte sur pas mal de choses. Nous pouvons interpréter ces signes de manière archaïque à travers des images, et c'est ce que nous faisons très souvent dans nos textes. Dans un premier temps, il nous faut réaliser que le problème de notre vie ont leurs racines quelque part dans des niveaux de conscience très profonds. C'est là qu'ils prennent naissance, directement au sein de l'âme. Comme ils sont très éloignés de notre état de conscience quotidien, même si nous devions les remarquer, nous ne nous y attarderons pas. Cependant, les mesures qui seront prises et que je vous propose pourront se voir à travers quelques couleurs et à certains endroits de notre corps, de notre âme, qui cherchent à communiquer avec nous. Certains de ces besoins, de ces soucis, de la gratitude, des peurs et des secrets vont donc s'afficher à vous pour vous faire comprendre des choses. Pour l'aura, je propose 20 pages qui seront imprimées après la mesure afin que vous puissiez entrer en résonance avec vos ressentis, et cela vous permettra également d'avoir une analyse multicritère axée sur le psychologique, l'énergétique et l'émotionnel. C'est un peu la même chose aussi pour les chakras. Le prix pour une impression de l'aura qui est à une vingtaine de pages est de 80 francs, et un complément pour l'impression des chakras est de 20 francs. Donc si vous demandez la totale, aura plus chakra, cela vous coûtera 100 francs et les séances sont prévues sur un temps d'environ 30 minutes. Voilà, je crois que là vous avez quelques informations dès début janvier 2023. Vous pourrez prendre rendez-vous pour venir faire ces mesures. Le paiement s'effectue comptant, donc avec de l'argent liquide en francs suisses, ou par paiement Twint. Voilà, je vous dis à tout bientôt et vous remercie d'avance. Je précise encore que les mesures se feront en principe les après-midi entre 13h et 19h. Je vous dis à tout bientôt.